Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous reprendre aujourd'hui. On est mercredi 3 mars, il est 11h30 et moi, ce matin, j'ai fait quand même pas mal de choses. J'ai fait mon petit montage, je me suis lavée, etc. Là, je vais juste m'occuper de mon visage. Je vais pas faire grand chose. En ce moment, c'est la même chose en fait. J'ai commencé ma petite routine. D'ailleurs, il faut absolument que je fasse la photo dans pas trop longtemps. Sinon, elle va manquer beaucoup trop de produits. Mais en gros, j'utilise la Provençale Bio et là, je vais utiliser cette petite micellaire, ma petite crème hydratante et ma petite crème pour les yeux. Et rien que ça, le temps que mes boutons se calment un petit peu, parce que ces dernières semaines c'était un peu la folie, on va pas se mentir. Et d'ailleurs, faut que je prenne une petite photo pour une collaboration, parce que de base c'est pour Instagram. Je crois que je l'ai pas encore faite, donc faut que je le fasse. Punaise, j'ai mis un legging là et tout me gratte, enfin ça me gratte de ouf, c'est bizarre. Je vais l'enlever, ça m'agace. Je vais mettre autre chose. Donc, je vous explique. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout quel est le programme de la journée. Depuis ce matin, je me sens déjà débordée avec les filles qui font que de se hurler dessus. Donc, voilà un petit peu comment a débuté cette journée. Du coup, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, je vais faire un petit coup de ménage. J'ai l'impression que chez moi, c'est blindax, qu'il y a des trucs partout et tout ça. Genre, ça m'insupporte. Et je comprends pas parce que je trie mais tellement souvent, je sais pas à chaque fois comment est-ce qu'on en arrive là à nouveau. Et faut que j'aille faire à manger, donc voilà un petit peu le programme de maintenant tout de suite. Et après de toute façon on avisera. Là je suis en train de vous parler, je comprends pas pourquoi mon pantalon me gratte comme ça. Oh là là, grosse ambiance aujourd'hui. En tout cas, pour l'instant, Ali est à la maison, il bossera tout à l'heure. Du coup, bah, c'est vrai que ça m'aide énormément hein, qu'il soit là, on va pas se mentir. Donc, je vais voir ce qu'on fait. En tout cas, je vais retirer mon legging et vous reprendre un peu plus tard. Là, on se retrouve un peu plus tard. En fait, depuis tout à l'heure, franchement, je suis débordée. Je suis débordée parce que les filles, elles ont décidé de pas s'entendre comme je le disais ce matin. Donc, c'est écrit dans tous les sens. Et bref. En attendant, j'ai fait tout mon petit ménage et enfin non, il y a encore de quoi faire. Il y a la salle de bain à faire à fond, ça je laisse pour Ali. Et il y a également, vous savez, passer la machine vapeur, je sais plus comment ça s'appelle, le balai vapeur. Donc ça c'est pour Ali aussi parce que c'est un peu physique, enfin pour moi en tout cas, la mienne je trouve elle est un petit peu lourde. Et là vraiment avec tout ce que j'ai fait, j'ai plus du tout la foi. Mais autrement j'ai fait tout le reste, donc je suis contente. Et vraiment j'ai l'impression qu'il y avait du bordel partout, enfin je voyais que ça, j'étais focus dessus. Donc là ça me fait du bien d'avoir rangé un petit peu. Je vais commencer à préparer le repas de ce midi. Donc pour ce midi je vais faire des frites et des potatoes avec des bavettes en viande et une petite salade. Et ça sera très très bien pour ce midi. Donc là je commence à couper ce qu'il faut pour ma salade, faire frire mes trucs et décongeler ma viande. Donc voilà un petit peu où est-ce que j'en suis. Paradise with your soul crashing into mine. How could we be so dumb to let you fall like that? Never drink, 'cause I know if I did, I'd call you every time. Baby, I'm a fool to let you fall like that. I know I'm not perfect, but you know that you'd rather be. Don't know what love is. I think I love you more than I love myself. Cause I think about you over and over again. And every now and then I just can't help myself to think about you over and over again. I know I'm not perfect, but you know that you're right. A few moments later. J'aime trop cet arbre. Je trouve qu'il est trop trop beau. Je crois que vous le voyez pas aussi bien que moi, mais en gros c'est des feuilles blanches. Enfin c'est pas des feuilles, c'est des fleurs blanches. Bon, là je vous retrouve, on a déjeuné tranquillement. Et ensuite on est sorti, enfin un petit moment plus tard, hein, il est 14h je crois. On est sorti, on va ramener les filles jouer un petit peu au parc. Histoire de prendre l'air, parce que c'est vrai qu'il fait quand même relativement bon aujourd'hui. Et en plus, les températures vont descendre. C'est vrai qu'on a vraiment envie de profiter. Donc là, il y a un parc où elles aiment bien venir.
Donc on va les ramener jouer un petit peu. Et ensuite, normalement, il y a mon grand frère qui devrait passer à la maison. Donc j'attends un message ou quoi, à la rigueur, s'il arrive avant, je rentrerai avant. Sinon, je pense qu'on va encore balader un petit peu. Bon, là on va de l'autre côté du parc parce qu'il y a d'autres jeux. En attendant, on a une Maya. C'est pour moi parce que notre parc c'est pour les grands. Ouais, et Maya était en train de râler là, c'est genre elle est toute souriante et tout. Nanana. Est-ce qu'il y a que moi, genre je ramène mes enfants au parc et ils râlent? Genre je sais pas quoi faire de plus. Là-bas il y avait un parc pour les petits. Mais toi t'es une petite encore. D'ailleurs, on a vu un cimetière de champs de pampa. Quand je vous dis un cimetière, c'est parce qu'il n'y avait plus rien, ils étaient tous morts. Et genre, il en restait un qui était debout, mais sinon, ils étaient tous morts. Je sais pas s'ils ont été arrachés, c'est probable. En vrai, c'est grave, fort probable qu'ils ont été arrachés tout simplement. Ouais, parce que comment ils seraient morts tous, genre, trop bizarre. J'ai trouvé à nouveau un champ de pampa. Comme vous le constatez, en fait, il y a ça. Après ça descend un peu donc c'est pas forcément facile d'accès non plus. Mais en tout cas il y en a plein plein plein. Bah derrière il y a le bateau. Et ouais je crois qu'il y a une face, enfin, il y a un moyen d'accéder de l'autre côté. C'est de l'eau, c'est ça. Là-bas. Là il y a de l'eau là. Ah ouais, ouais. Je vois pas. Moi je vois, il y a des bateaux aussi. Bateau. C'est là. Mais... Non ça s'appelle pas un bateau. Ça s'appelle un pont. En fait trop stylé les toboggans parce que en fait c'est une colline et du coup on a le toboggan qui pousse la colline. Vas-y Naya. Là du coup Naya là. Ouah trop stylé. Ouais. Pour monter on a des trucs comme ça. Merci. Merci mon cœur. Ils sont à fond. Laina attention ça glisse hein. Elles tuent, elles sont trop fortes. En fait, elles remontent comme ça. Moi, je trouve qu'elles sont trop fortes parce que perso, je peux pas faire ça. Ali, vas-y, fais avec Laina. Je l'ai fait. C'est archi stylé. En fait, avec notre vitesse d'adulte, ça va hyper vite. Genre, 1, 2, 3. Ali, tu fais avec elle ou pas? Attends, Laina, papa, il va faire avec toi. Tu veux pas faire avec elle? Vas-y, elle est déçue. Non, elle veut pas. Mais si, viens, papa, elle t'a dit. D'ailleurs. Regardez comme elle est trop forte. Je sais pas, je crois qu'on voit pas à quel point c'est en pente. Doucement ma fifi. Attends, laisse passer Laina Rose. Laisse passer mon cœur. Tu peux pas? Ils sont en train de faire n'importe quoi. T'es toute seule. Elle boude. Vas-y Mimi, il y a des gens derrière toi. Vas-y mon cœur. Doudou. Au lieu de lancer des regards Scarface, vas-y. Allez Nino. Laina, vas-y. Elle veut pas avancer. Allez Doudou. À la vilaine. J'aime trop les petits quartiers pavillonnaires comme ça. Je trouve que c'est trop stylé genre. Des petites maisonnettes des deux côtés. Franchement j'aime beaucoup beaucoup. One eternity later. Regardez qui est arrivé avec du chocolat. J'ai ramené du chocolat alors j'ai des pommes. Contraste, Ali, il faisait manger des fruits là pour le goûter. Mmh. Bébé, tu peux mettre l'eau pour le café? Thank you. Je sais. Mais en plus, à la base, je voulais venir en scooter aujourd'hui. J'ai vu, il pleuvait, j'ai dit, ah bon, il faut la voiture. Mais je suis là, en fait, le scooter c'est bien, mais pour venir aussi loin chez toi, c'est une galère. Nadine, il vient en scooter. Oui, mais lui, il roule pas à 110 sur l'autoroute comme moi. Et bah attends, mais au contraire, il prend 2 heures pour venir. Oui. Mais ça, c'est un vrai frère. Mais 2 heures sous la pluie. Non, c'est pas 2 heures déjà, c'est 1 heure. Oui, mais ça dépend. Parfois, moi, il dit. Nadine, il sort à 14h, il arrive à 17h, il me dit, oh là, c'était bouché. Tu crois t'es en scooter? Il me dit, ouais, mais je te jure, c'était chaud. Encore? Elle a le droit encore? Un dernier. Bref, mon frère il est arrivé, je suis grave contente parce que déjà il a ramené des chocolats. En fait, je vous explique l'histoire. Là, j'avais trop envie de manger un McFlurry et tout. Du coup, je commence à passer ma commande et tout. Ali me dit vas-y, ok, avant de rentrer. On passe par une zone commerciale qui est souvent bouchée. Donc, on arrive dans le bouchon, mais je me dis allez, mon McFlurry ça vaut trop le coup quoi.
Et là, Aline dit, Nadia, j'ai pas ma carte, j'ai pas mon sac. Et moi, j'avais pas mon sac aussi. Du coup, bah, on a fait des bouchons pour rien. Et j'ai pas eu mon McFlurry, j'étais vraiment dégoûtée. Et quand on rentre, elle me dit, en fait, j'ai ma carte sur le portable. Donc, bref, trop de frustration. Donc là, il y a du chocolat. Ma mère, elle m'a envoyé vraiment mon plat favori. Donc, je suis trop, trop contente. En gros, c'est un plat à base de pâtes et de lentilles. Mais c'est des pâtes fait main, enfin bon, je sais pas trop, enfin, ouais, c'est des pâtes, c'est pas des pâtes forcément qu'on achète, mais bon, c'est trop trop bon. Nous, chez nous, on appelle ça dal pita, et bref, j'avais trop envie de manger ça, donc je suis hyper contente. Là, j'ai mangé du chocolat, prendre mon café, puis on se retrouve. Il est 21h50, les filles sont au dodo depuis 20h, 19h45, je les ai mis au lit assez tôt. Elles étaient hyper agitées, mais je pense qu'elles sont fatiguées de leur journée aussi. Et bref, nous, on a dîné, là, on était en train de regarder la télé, ce soir, il y a le meilleur Marrakech. Du rire ? Non, le meilleur du Marrakech du rire. Donc on va regarder ça et en même temps on va se faire poser des petits soins parce que monsieur voulait faire des soins. Donc voilà, on va faire ça. Moi je vais en profiter aussi du coup pour faire quelques soins. Après, vu que j'ai une peau hyper acnéique et réactive en ce moment, je vais pas faire n'importe quel soin. Je pense que je vais aller sur des soins à l'argile pour absorber justement l'excès de sébum. Mais pour que les pigments ne se voient pas trop. Mais n'importe quoi, ça n'a rien à voir ce que t'as dit. Le mec, il a parlé de pigments, il a parlé de make-up, j'ai pas compris. Non, mais parce que les points noirs, tu vois, mais en vrai, j'ai... des températures non, négatives. Je n'ai pas, mais je n'ai pas de points noirs, moi. Toi, par exemple, tu as des points noirs. Moi, j'ai vraiment très peu de points noirs. J'ai des boutons d'acné. Non, mais c'est vrai. Toi, t'as des pores dilatés avec des points noirs, frère. Merci. Donc, bref. Moi, c'est pas, ouais, mais moi, c'est pas forcément. Moi, je vais mettre points noirs plus pores dilatés. Après, bon, c'est des choses. Enfin, c'est limite quasi inévitable aussi dans un sens. Et ça, je te dis à chaque fois, il faut que tu nettoies ton visage tous les jours avec la brosse que je te disais là. J'ai pas pour nettoyer, mais tout le temps, je t'ai dit. Hein, ça, c'est le truc pour faire tous les jours. Pour resserrer les pores. J'aime pas de brosse pour mes cheveux, je crois. Mais même, il faut. Et donc, bref, moi, c'est pas ce que j'ai. Par contre, j'ai une peau acné. Après moi c'est vraiment par rapport à tout le côté vraiment qui est hormonal etc. Et je le sais hein, j'ai arrêté tous mes traitements aussi donc je pense que ça joue. Oh my god. Bref, en tout cas on va essayer de faire du mieux, j'ai pas envie d'empirer le truc. Et en fait c'est des boutons qui sont quand même douloureux. C'est pas des boutons genre qui sont là et parce voilà. Il appuie, ça fait mal. Ouais franchement ça fait mal. Je peux ? Non. Archi relou. On va faire des soins. Grave drôle, 4 ans et demi. On va faire des soins, chacun adapté à notre type de peau. D'ailleurs, je vais vous montrer du coup ce qu'on va faire. Toi, il faut que tu gommes. Un petit gommage pour enlever un petit peu les points noirs, nettoyer tes pores, tes gros pores ouverts là. Des gros pores. Des gros pores là. Et on va faire ça. Après, peut-être un masque. Un masque hydratant ou purifiant, je sais pas comment. Et après, regarde bien ma peau. Regarde bien ma peau. Il n'y a pas de lumière. Ok Google. Ok Google. Mets la lumière à 60%. Et la lumière fut. Ouais, donc là, on voit à quel point pour lui c'est critique aussi. Non, mais si. Non, mais oh, c'est une peau sèche et tout. Bref, on va s'occuper de ça. On va faire ça maintenant. Et je vais vous ramener les produits, d'ailleurs je vais vous en parler un petit peu plus. Alors le premier produit que mon frère va utiliser c'est ce gommage. Donc la marque c'est Velvet et en fait je l'ai acheté en Espagne. Et franchement il est ouf, ouf, ouf. Et vraiment je l'ai bien utilisé. Ce qui est vraiment dommage c'est que je pourrais pas me le reprendre à moins d'aller en Espagne. Parce que la livraison et tout est hyper cher. Genre le produit doit coûter 3 euros en Espagne. Et là la livraison pour la France coûte 8 euros. Sans compter le prix du produit qui est genre juste 3 fois plus cher aussi. Donc je sais pas si ça vaut réellement le coup. Mais si je repars en Espagne c'est vraiment un produit que j'aimerais reprendre. Donc on commence par ça. Tiens. Merci. Tu rinces ton visage. T'appliques ça. Tu fais des petites rotations. Et ça va le faire. Moi je fais même plus de gommage. J'ai trop de boutons douloureux à faire. Donc... Mais écoutez, c'est parti pour cette première étape. Hein pas de si j'en ai, ouais, j'ai payé. Bon, là, lui, il a fait le petit gommage. Moi, je vais pas faire de gommage, mais par contre, là, j'ai un petit masque. Donc, la marque, c'est Monuskin. Et en gros, c'est juste un masque hydratant, donc hyper doux, etc. C'est ce que je vais lui faire parce qu'il a la peau extrêmement sèche. Oh, je vais l'avoir si douce. Ouais, je lui ai dit qu'il pouvait gommer ses lèvres également. Et ensuite, il va mettre ce baume Bioderma, donc en mode crème hydratante. Et en fait, c'est juste ultra, ultra, ultra hydratant. Donc ça, c'est ce que je vais faire également. Et ensuite, moi, je vais m'épiler la moutaque. Ça fait combien de temps que je l'ai fait, j'en sais rien. Donc écoutez, là, on va faire ça. Je vais vous poser. Alors. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Ce masque, il est trop bien. C'est quoi, ça leur dit? C'est pas ce que tu avais dit tout à l'heure. Oui, moi je voulais me faire un masque allergie. C'est quoi en fait un masque allergie? C'est un masque purifiant. Et de base, c'est ce que je voulais faire. Bon, là en vrai, toi t'en as pas nécessairement besoin. Là, le gommage t'a fait du bien déjà. T'as moins de points noirs. Et puis. Là, t'as vraiment par contre la peau sèche. Alors toi, t'as vraiment besoin d'hydratation. Donc tu mets de la crème hydratante en la maison? Oui, j'ai acheté. Bah, en fait, là-bas, j'avais un Nivea, je crois, ou un Dove. Ouais. Et même la crème, on a passé un autre qui a acheté. On m'a dit, j'ai essayé là depuis quelques jours, mais j'ai l'impression que ça réussit pas tant que ça, moi. C'est quoi? Je sais pas, c'est une marque aussi, je sais plus c'est laquelle, par contre. J'ai l'impression que, je sais pas, c'est peut-être pas. C'est quelque chose pour moi. Bah, parce que l'autre, il était un peu plus liquide, et du coup, il est bien hydratant. Celui-là, il est un peu plus épais. Non, ouais. Je sais pas, tu peux ouvrir les yeux, frère. Ouais. T'as pas envie de poser des cocons sur les yeux? Je sais pas, ouais, peut-être. Non. Ça aurait été bien. Oh, je me serais détendu. J'ai une petite musique. Moi, j'hydrate ma peau aussi parce qu'elle est tellement en souffrance que je vais apporter un peu d'hydratation. On va laisser sécher, je sais pas combien de temps ça va prendre. C'est fait ce truc, hein? Ouais. Oula, 10 à 15 minutes, c'est beaucoup quand même. Je crois qu'on a le temps d'aller regarder un petit peu Marrakech. T'aimes bien Inès Reg? Ouais, de ouf. J'aime trop. Ali, il est pas trop fan. Non, il est trop marrant. Mais je kiffe, mais du coup, je lui dis, Ali, moi je veux qu'on aille voir le spectacle. Elle est trop marrant. Déjà, on avait été voir Nawal Madani, on avait kiffé de ouf. Ouais. Je lui ai dit, il m'a dit, non, mais je sais pas, il était pas aussi chaud que. De toute façon, avec le Covid et tout, que je me dis, ouais, je sais pas quoi. Ouais. Parce que là, son spectacle, il est repoussé à juin. Alors que de base c'était pas là. Ah bah oui. Elle est trop dégoûtée. Mais je la suis sur les réseaux déjà, je la démarque. Oui, moi aussi je l'ai sur Insta. Des fois je l'ai sur vous, ça, quand j'ai le temps. Bon, là je vous reviens plus tard. Il est 23h10, je suis ultra KO. Je vais juste terminer le montage d'aujourd'hui. Je vais aller me coucher. Demain, il faut que je me lève assez tôt. Donc là, j'ai rangé vite fait, mais vraiment vite fait. Je ferai le reste demain. J'aime pas en fait aller me coucher quand la maison elle est pas bien rangée. Mais en vrai, dans une maison où on vit, c'est compliqué qu'elle soit tout le temps rangée. Il y a forcément des moments où on va avoir la flemme. Et vu qu'on vit, bah, on va bouger des trucs, etc. Donc ça peut pas rester impeccable, ça c'est sûr. Et là, pour le coup, c'est vrai que j'aurais préféré que la maison soit rangée, mais c'est pas grave. Je vais dormir comme ça, ma chambre est rangée, et du coup, ça va, je peux m'endormir. En tout cas, je termine le montage en vite fait. Je l'ai commencé quand il y avait mon frère, on regardait le Marrakech du rêve. Et du coup, j'ai juste en fait mis les rushs les uns derrière les autres, le logo, les transitions, les petites images que j'avais envie de mettre à côté, donc en soit mon YouTube et mon Insta. Et maintenant, il faut que j'écoute les vidéos et que je coupe là où est-ce qu'il faut, parce que voilà, c'est du montage. Hein, et c'est très rare que je fasse du one shot. Généralement, il y a tout le temps un petit truc que je dois couper parce que j'ai bégayé, parce que je me suis répété ou des trucs comme ça en fait. Et je vais faire ça maintenant. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant notre vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très très vite.